Le président français Emmanuel Macron a choisi la ministre du Travail, Elisabeth Borne, pour être la nouvelle première ministre du pays. Cette nomination fait suite à la démission de son prédécesseur lundi. Borne prend ses fonctions avant les élections législatives de lundi de juin. C'est la deuxième fois en 30 ans qu'une femme prend cette fonction. Macron avait précédemment indiqué qu'il voulait une femme avec des références de gauche et environnementale, signalant peut-être que son programme de second mandat se concentrera sur l'éducation, la santé et la crise climatique.